tous. Je suis professeure de guitare classique, Ekaterina, et je vous souhaite d'abord la bienvenue à tous dans notre première année de guitare classique pour les débutants. Donc aujourd'hui, nous allons discuter des détails et des précisions exactement pour le premier cours de guitare. Donc déjà, pour ceux qui se sont inscrits sur notre plateforme, normalement, vous avez dû déjà télécharger cette méthode qui est donc gratuite. Vous pouvez l'avoir directement sur la première page de notre plateforme. Après l'inscription, vous la verrez et vous téléchargez toutes les pages, toute la méthode tout d'un coup. Alors donc, qu'est-ce que nous voyons dans ce cours de guitare numéro 1? Vous avez déjà sûrement regardé les premières vidéos, donc normalement vous avez 5 exercices à travailler. Donc, ça sera la durée des notes. C'est la base de la musique en général, pas que de la guitare évidemment. Et nous allons travailler la technique du buté dans ce premier cours. D'ailleurs, pour une petite précision, nous commençons toujours par le buté dans notre conservatoire, car c'est une technique un peu plus compliquée, car il faut plier les phalanges justement et les assouplir. Donc, c'est pour ça qu'on commence directement par le buté et non pas par le pincé. Donc je vous demanderai de faire un petit effort, évidemment, en suivant toutes les vidéos, vous devriez y arriver tranquillement avec un peu de temps et un peu de patience. Donc vous allez pouvoir travailler la ronde 4 temps, la blanche pointée 3 temps, une blanche 2 temps, donc chaque exercice, vous voyez bien, se concentre sur une portée. Donc, vous allez pouvoir les travailler séparément. Prenez votre temps. Regardez bien les valeurs rythmiques. Nous allons en discuter dans les cours suivants. Qu'est-ce que c'est? Comment on calcule le tempo, les pulsations? Donc là, en tout cas, vous avez 4 temps par mesure. C'est indiqué à la clé de sol juste au début. Donc, 4-4, c'est-à-dire 4 noirs par mesure. Suivez bien les autres vidéos pour bien comprendre et bien assimiler tous les détails. Et nous allons d'ailleurs répéter à chaque cours, comme on fait dans un vrai conservatoire, c'est pareil. On répète, on répète. Donc je serai là avec vous, toujours pour vous dire les mêmes choses, mais pour d'autres pièces, pour d'autres cours. Mais notre but, c'est d'améliorer, d'instaurer les bons automatismes et améliorer notre technique aussi. Donc, la noire et la croche aussi, donc 5 exercices à travailler tout de suite, car justement, notre but, c'est d'apprendre à jouer, n'est-ce pas? Donc, la théorie suit le jeu. En tout cas, pour moi, en tant que professeur, je trouve que c'est toujours très important de pouvoir bouger ses doigts tout de suite, dès les premiers cours, de n'importe quel instrument, évidemment, si c'est possible. Et la formation musicale suit tout ça avec... la formation musicale soutient chaque cours pour bien comprendre chaque détail de l'analyse musicale. Mais il ne faut pas que ça soit trop lourd ni trop compliqué, donc essayez de vous amuser. C'est pour ça que nous vous proposons à chaque cours une nouvelle pièce ou un nouvel exercice pour travailler sur les mêmes techniques, par exemple, mais toujours avec quelque chose de nouveau, pour rafraîchir un peu votre cerveau et vous donner un peu d'intérêt, un peu de motivation à chaque niveau de notre apprentissage. Donc, commencez bien votre premier cours et n'hésitez pas à me poser des questions. On se voit dans le cours suivant. Salut !